Gros bonsoir pour toutes les femmes actuelles qui sont sur le réseau panel Jésus 100% la vie. Ouah. Nous remercions nos Seigneurs, nous disons merci pour ce qu'il fait nous, il fait nous dormir, il fait nous lever, il fait nous sortir, il fait nous entrer, il n'est pas quitté rien mal arrivé nous. Nous disons merci pour ça. Il n'est pas quitté un bon oxygène dans tout nous. Nous remercions non, il n'est pas quitté balle en frappe, il n'est pas quitté un accident, il n'est pas quitté esprit méchant frappé nous. Mais nous disons Seigneur merci, nous bâle gloire. Il même seul mérite le nom et non là. Nous saluons Berger Groupe là qui c'est Pasteur Jimmy Charles. Et nous saluons Maman Groupe là qui c'est Serge Jeunin Charles. Nous saluons l'évangéliste Lubin Rigueur. Nous saluons l'évangéliste Laouz Williams. Et nous saluons l'évangéliste Rio Ronald Michel. Nous saluons Pasteur Rico. Et nous saluons l'évangéliste Maslin Jouel. Et nous saluons évangéliste Mikanol Clergé, nous saluons Fred aussi Désir, nous saluons Frère Figaro Lucines, et nous saluons Frère et Frère Janvier Sekele, nous saluons Seti Will, Seth Azienne, Seth Floriane, et nous saluons toutes combattantes, toutes combattantes qui sous-groupent Jésus 100% la vie. Et nous disons Seigneur merci parce que nous encore vivants, nous avons toujours dit merci. Nous allons gloire les mêmes, celles méritées, voix sans attendre, la parole de voix, c'est Docteur Pao, Frère Pao, Sami Pao, Widmar Kaidor, c'est moi qui ai demandé aujourd'hui pour me porter une bénédiction pour vous qui fête chaque semaine ce groupe Jésus 100% la vie, dès lundi jusqu'à samedi à côté de 3 h. C'est Pot, École publique en ligne qui ouvre. Nous disons merci, nous allons gloire les mêmes, celles méritées. Et le sujet nous gagne pendant 2 semaines, ah, ça fait 2e semaine, non, c'est terminant, c'est les anges. Et sujet que nous apportons et le royaume des ténèbres. N'a pas tourné 9 fois sur seconde pour nous faire étude publique pendant ça pour vous sur le sujet sacré, le royaume des ténèbres. Et bonsoir et bonjour encore à toutes frères et sœurs qui sont au panel. Jésus 100% la vie. C'est Ami Paro, Frère Paro, Docteur Paro, Widmarie Kaidor. Sujet non, c'est le royaume des ténèbres. On dit que le royaume des ténèbres, ou bien le royaume de Satan, et dans le monde spirituel, il y a 2 types de royaumes. Et le royaume des ténèbres, ou le royaume de Satan, et le royaume de Dieu, ou de Jésus-Christ, ou de lumière. Ces 2 royaumes, ça, qui gagnent, eh bien, c'est au parlant youn, eh bien, ou l'on note, parce que pas de neutralisation dans le monde spirituel. Il y a 2 groupes de personnes dans le monde. Ça, il y a un groupe de personnes qui appartiennent avec le royaume des ténèbres ou Satan, et bien l'autre groupe qui appartiennent avec le royaume de lumière ou de Jésus-Christ. Et bien, monde qui fait partie du royaume de lumière, et bien, les croyants, c'est ces monde qui naît de nouveau, c'est le monde qui est sauvé, c'est le monde qui reçoit cet esprit, et le monde qui fait partie du royaume des ténèbres là, mais c'est les incroyants, et le monde ça yo, yo pas né de nouveau, yo irrégénéré, le monde ça yo pas Jésus-Christ comme sauveur personnel yo, mais royaume, et bien c'est Satan, le diable, ok? Royaume des ténèbres là où le royaume du Satan est divisé en 3 grands groupes. Okay? Premier groupe là, c'est les anges déchus. Deuxième groupe là, c'est les âmes déchues. Et troisième groupe là, c'est les hommes déchus. Okay? Et habitants au royaume spirituel Satan, il y aurait les démons. Okay? Et les anges déchus, les âmes déchues, mais habitants ça y est. Eux-mêmes, y aurait les démons. Semaine passée, nous t'avons 9 classes d'anges qui composaient le royaume de Jésus-Christ là, ou bien le royaume de Dieu à lui-même. OK? Et selon théologien, on dit c'est 9, mais ils n'ont pas mis de dignité, ils n'ont pas mis de vertu. Bon? C'est OK qu'on ait la recherche au fait, hein, qui ça y ouais. Mais le royaume Satan lui-même, il est composé de 6 classes d'anges déchus. Et Satan toujours essayait à imiter Dieu.
Satan toujours a fait ça, mon Dieu fait, mais c'est un mauvais imitateur. Parce que lui-même, il prend bagayou, il perturbe, il vire bagayou en mal. Lui-même. Eh bien, voyons par la guerre 6 classes, qui c'est domination, puissance, autorité, principauté, archange et anges, selon et Jean simple, selon Éphésiens 1er, le verset 21-22 et Éphésiens 6, verset 12-13. Mais en ça, yo sorti dans la classe d'ange, royaume de Dieu à lui-même. Parce que Satan pas créé, Satan pas fait rien, Satan pas créé les anges, Satan pas créateur, Satan juste yon créature de Dieu. Ok. Satan lui-même, dans 9 classes d'ange, c'est 6 ça qui rébelle contre bon Dieu, mais il y a 3 classes d'ange qui regardent dans celle-là, qui parlent rébelle contre avec Satan. Et bien, c'est Séraphin, c'est Trône, et bien, c'est Chérubin. Non, remarquez, Satan lui-même, il était encore Chérubin. C'est celle lui-même, encore Chérubin, qui rébelle contre bon Dieu. Par exemple, dans le royaume Satan, par une classe Séraphin, il n'y a pas une classe chérubin, sauf Lucifer, et il n'y a pas une classe trône lui-même. Mais tout reste scrité, et bien Satan, voyons pas la gagne lui-même. Ok, même Jean Mondi lui-même, les classés, les anges par lui, et bien puisque Satan c'est Dieu la primité, et bien Satan fait même bar à la tout. Même rôle que Dieu te baille, les anges sont responsables. Et responsable sur nature là, et mais c'est même bagay ça, Satan fait, et avec Jean de Chilio qui c'est 6 classes. Éphésiens 6, verset 12 dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 1er, verset 22-23, qui ça dit, et il a déployé en Christ en les ressuscitant des morts et les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Eh bien, Esprit Sayo, yo fait basio dans les lieux célestes, selon Éphésiens 6, verset 2. Quatre général yo côté rete a aimer dans les lieux célestes dans le ciel à ce côté. Eh bien yo là deuxième ciel, ça fait que nous connaît c'est deuxième ciel. Bible a dit dans Genèse, dans livre Genèse là, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Remarquez, texte a dit les cieux. OK, texte a pas dit le ciel, mais il est dit les cieux. Et bien, s'il dit les cieux, et bien, c'est qu'arrivé, il y a plusieurs ciels. OK, il y a plusieurs ciels. Les cieux, pas un seul ciel, mais c'est plusieurs ciels. OK, et bien, apôtre Paul dit, m'koué dans le livre Corinthien, apôtre Paul dit, il était connu un monde, dans le même chapitre là, qui arrivait jusqu'au troisième cieux. Est-ce que là? Eh bien, s'il dit il était que un monde qui vit sur le troisième ciel, eh bien, c'est que y a un premier ciel, eh bien, il y a un deuxième ciel. Avant, jeune 3, au jeune premier, au jeune deuxième. Eh bien, nous connaissons l'histoire ça très bien. Eh bien, l'apôtre Paul a prêché. Eh bien, il a manqué tout le temps. Eh bien, monsieur, il était 3 cas morts. Et puis, l'esprit de monsieur était transporté de là-haut dans le ciel. Et ça que les dit, il était qu'il y a un monde qui était allé sur le troisième ciel. Eh bien, ça veut dire que. Et pour le ciel là, c'est côté ouais, et je voulais le ciel atmosphérique, c'est côté Niajouya. Deuxième ciel là, c'est côté bien soleil, la lune, étoile là. Et puis troisième ciel là, c'est la lumière de Dieu, côté Dieu habité là. Eh bien, depuis les anges, ça a été fini rebeller contre bon Dieu. Eh bien, j'ai été retiré là en présence là, y'a pas capable de rester dans ciel là. Les anges, ça y'a même. Yo pas capable de rester dans ciel là. Eh bien, j'ai été expulsé là. Eh bien, gen yo qui était tombé. Gagnant qui rete dans deuxième ciel là et gagnant qui tombé sous terre et qui est tombé dans l'eau, c'est trois espaces ça qui royaume des ténèbres a fonctionné dans l'espace dans deuxième ciel là et puis sous terre et puis dans l'eau. Mais on dit comme ça que les anges lui-même tant que et ça Éphésiens sous répéter, c'est domination,
ses puissances, ses autorités, ses principautés, eh bien, et ça lui-même, c'est côté habité, c'est dans deuxième celle là lui-même, yo habité. Mais ça qui est tombé sous ta langue de l'eau, il fait comprendre c'est des anges simples qui étaient tombés et sous terre. Eh bien, nous parlons de première classe et qui est dans le royaume Satan, qui c'est les anges déchus. Les anges déchus, c'est tous les anges qui partent et même retés dans la volonté de Dieu, ils sont terribles avec papa, yo, qui c'est Lucifer. Première classe, nous parlons qui c'est domination. Ok? Domination, il dit domination. Hein? Mot domination en grec il signifie kurotes, signifie et chef, maître, seigneur qui exerçait une autorité qui sur lui-même. L'être Dieu lui-même lui était créé corps en ça lui-même qui c'est domination. Gain domination qui les bons anges, gain domination qui c'est mauvais anges. Dans corps domination, gain partie qui rebelle mais qui parti pas rebelle. Mais Dieu t'a créé ça lui-même, ça veut dire que pour zan ça t'es supervisé l'autre ange Jean que nous t'ai dit et Jean que nous t'ai dit ça semaine passée. Mais Dieu lui-même il t'a créé corps domination ça pour yo superviser l'autre ange lui-même pour la contrôler sur l'autre ange. OK, les gon l'autre qui pour passer et bien Dieu parle avec domination et bien domination fait le passé. Ok. Kounya là, ça veut dire comme ça, t'as lui-même, c'est Dieu l'a imité, l'a fait ça, mon Dieu, v'là, et bien, l'a créé, dit même qu'aux anges qui étaient dans la domination, dans le ciel là, qui étaient bons anges, et bien, c'est sacré Béléo, et bien, si sacré Béléo, l'a pris, l'a formé encore toujours domination, l'a fait au jeu, même moi là toujours. Parce que Satan l'a imité, mon Dieu, et bien, Satan fait domination au jeu. Même rôle, il était conduit dans le royaume de Dieu avant de rébeller. On a vu rébeller, qu'on a, il a travaillé pour Satan, il fait même service à toujours, il a surveillé sur les anges. Les anges, mauvais anges, démons. Il fait même travail là toujours, parce que Satan lui-même, la Bible, ça va là, et puis il a une responsabilité qui a dévié l'homme dans l'activité à mener. Dieu te mette et pour te superviser les anges et pour contrôler l'homme sous terre, et mais Satan lui-même, il fait dans le sens contraire, le sens opposé, il mettait domination ça encore pour même pour surveiller sous démon et puis tout lui-même pour gagner responsabilité pour dévier l'homme dans l'action, l'homme lui-même l'a fait. Deuxième corps ange déchu pour nous dans le royaume Satan, c'est les puissances toujours gagnent les anges, les bons anges, puissance, cause anges, puissance là, il est toujours dans celle là, mais il y a quelques là-dedans qui rebellent. On va regarder si c'est un quart, si c'est deux quarts, si c'est trois quarts, mais il y a qui rebellent selon la Bible. Okay. Qui voit la puissance eux-mêmes? Puissance là, bon Dieu, tu as créé cause dans ça lui-même. Pour te gérer, pour te établir l'ordre dans la nature. Ok? Dieu t'a créé pour qui ça? Puissance à yo, puis contrôler, puis gérer création là, nature là, principalement. Des anges et qui veillent sous soleil là, des anges, des puissances, ça veut dire, des puissances qui veillent sous soleil là, des puissances qui veillent sous la lune là. Gen puissance qui a veillé sur l'étoile là, gen puissance qui a veillé sur la mer, et gen puissance qui lui-même l'a veillé sur le feu. Ok. Mais Dieu c'est pour ça bien déterminé que Dieu lui-même t'a créé puissance à yo, puis yo gen contrôle, puis yo gérer nature là. Pouvoir mon Dieu a les régler avec Zanjo, pour Zanjo, et chaque Zanjo gen mission pa yo. Même j'en trouve un gouvernement. Et qui établit en primatia, et mais chaque gars fait par eux, gain c'est ministère des Sports, gain c'est ministère des Affaires nationales, c'est justice, ensuite des suites, c'est comme ça, et pouvoir mondial lui-même, reléguer tout, et li, bah, chaque monde, chaque cause un jour, gain bagaille pas eux fait, mais cause une puissance à lui-même, qui action vous fait, et bien Dieu t'a créé, puis vous surveillez nature là. Ok?
Jésus-Christ même t'a parlé dans Luc 21, verset 24, 25, où elle dit comme ça que, il aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, au bruit de la mer et des flots, car les puissants des cieux seront ébranlés. Les ça, Dieu lui-même, il t'a parlé avec un royaume des ténèbres à lui-même. Remarquez, les noter soleil, les noter la lune, les noter étoiles, les noter mer. Ça veut dire, il y a des anges déchus qui ont contrôlé le soleil là. Il y a des anges déchus qui ont contrôlé la lune là. Il y a des anges déchus qui ont contrôlé les étoiles. Il y a des anges déchus qui ont contrôlé les mers là, qui ont contrôlé les vents. OK? Et il y a supervisé. Donc, l'Apocalypse. Mais, j'en ai dit ça déjà, Dieu lui-même, il était créé pour superviser naturellement lui-même. Satan a copié sous mon Dieu, il fait même bagaille là, toujours avec corps puissant ça qui est révélé. Il fait même bagaille. Soit l'Apocalypse 7, verset 1er, Apocalypse 7, et verset 1er, il dit comme ça que, après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre, ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Ça veut dire, disant ça, yo, yo gen contrôle vent. Et même tout, eh bien, Satan lui-même, il mettait des puissances tout, souvent tout. Ça veut dire, il y a des puissances en face, en puissance de lumière, en puissance des ténèbres. Qu'on y a à cause des puissances de lumière lui-même. Le royaume lumière, qui a veillé vent, puissance des ténèbres, là, pas qu'a fait tout le bagarre avec lui. Est-ce qu'on a? Qu'on y a que. Et après, les tempêtes, les cyclones, probablement, c'est Nexayo qui l'a gébagala. Les anges, captivés, puissance captivée, vent. Nous parlons pour feu à lui-même. C'est Apocalypse 14, verset 18. Apocalypse 14, verset 18. Apocalypse 14, verset 18. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu, attendez, et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendage les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Ça qui est important pour nous. Et un ange qui avait autorité sur le feu. Ça veut dire, puis c'est puissance à yo, il y a autorité en lui-même tout, Satan tout lui-même, et les mettez anges yo tout, qui contrôle du feu à lui-même. Et dans le soleil là, Apocalypse 19, les anges qui ont pouvoir sur le soleil là, Apocalypse 19, verset 17, il dit, et j'ai vu un ange qui s'éteignait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant, à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Ça qui est important pour nous. J'ai vu un ange qui s'éteignait dans le soleil. Il dit, même gens que bon Dieu lui-même, les mettait puissants pour superviser nature là, et bien Dieu m'a fait même bagaille. On a gardé là, et Jean ça qui, après ça, parlait, et bien c'est. Bon ange qui fait corps puissance là. Et nous parlons dans Somme 121, lui-même, qui ça, pas Satan et lui-même. Yo joue même rôle, yo pas fait même bagaille. Somme 121, qui ça, il dit. Somme 121, le verset. Somme 121, le verset 6. Il dit comme ça que, verset 6 là, dit comme ça. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Ça veut dire ça, il fait référence, c'est puissance qui a dirigé le soleil là, le pape qui a fait nous-mêmes qui c'est chrétien, rien. Ça, c'est puissance Satan, en puissance Satan, mettez des soleils là, et dit là, lui, non, pape qui a fait nous rien tout le soir, parce que Satan mettez. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, Dieu lui-même, il établit une puissance pour superviser sous nature là, mais de même, Lucifer lui-même, limité. Et puissance à yo, puis au superviser nature là tout, mais pour perturber nature, et même pour faire ça qui passe. Ça veut dire, ouais, j'en sais, j'en sais, c'est au même, et
qui a produit les catastrophes naturelles. On ne peut pas t'en rendre compte, c'est vous-même qui a produit, pas t'en rendre compte, un tsunami qui fait ses puissances à vous. Et un cyclone fait ses cyclones ça vous. Et toute catastrophe naturelle qu'on a eu, et bien, probablement, c'est les gens qui pour et qui pour derrière. Mais, bon Dieu lui-même, il a choisi faire un bagage, mais il a juste utilisé l'esprit de mon saillot pour faire ça qui les besoins fait à lui-même. Pas oublier, nous connaissons l'Exode, et puis l'Éternel t'a fait jugement contre l'Égypte, mais c'est Dieu t'a exercé jugement sous les Égyptiens. Et oublier le texte, il me dit qu'à l'île pour, ou après gain, et ou après m'couer, et la mer a été tournée sans. Dieu t'a exercé jugement et sous la mer. Et ensuite, de suite encore, et tout ça qui auteur bon était exercé jugement sous lui, pas catastrophe naturelle, et pas une autre bagaille, monsieur, et même mon Dieu a exercé jugement sous les Égyptiens, et même temps tout, et même dit, puissance va ébranler, et jusqu'à va tourner, étoile, le soleil, la lune, et même ça passe, c'est puissance qui cap du géo, qui est l'éternel lui-même, pour exercer le jugement sous lui-même, au lieu puissance yo gérer nature là, et même pas Satan lui-même, il n'y a pas fait des ordres, il a crasé, brisé, mais il n'y a pas qu'à faire tout ça ouvrir parce que bon Dieu, tout puissant lui-même. Troisième classe d'ange de chi que nous parlons, c'est les autorités, toujours lui-même. Eh bien, classe d'ange, autorité qui n'est celle-là, rien qui rébellé avec Satan. On ne connaît pas si un quart, deux quart, trois quart, mais rien qui rébellé à Satan, on ne connaît pas. La Bible pas mentionné. Mais nous connaissons très clair autorité ou rébellion tout. Ok, Jean livre Éphésiens dit ça. Ok, autorité yo signifie le droit légal de contrôler ou gouverner. Autorité causant ça yo yo gen droit légal yo contrôler et gouverner gen des bagay yo contrôler et yo gouverner. Ok. Et autorité dans le royaume Satan lui-même et ses anges de chique yo yé yo gen droit yo établi droit légal yo et ben sur moun sur famille et ben sur communauté et ben sur nation yo même c'est ça bon Dieu te ba yo fait et ben Satan fait même bagala toujours li mette même autorité ça yo y a veille yo gen contrôle yon moun yo possède famille yo rentre dans moun nan. Yo fait mon fait ça pas bon exemple si monsieur Haïti au gang yo c'est mon ça yo c'est gens ça au qui frappé yo rentre dans famille tout yo fait maman papa divorcé yo fait si mon viré do yo rentre dans communauté et mais yo dans nation tout gain cap diriger nation yo et gain lui-même cap commander sous individu sous famille, sous communauté et sous nation. On a regardé Éphésiens 2, verset 1. Éphésiens 2, verset 1er, 1, 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ça qui intéresse le verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Selon le prince de la puissance de l'air. Et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et de l'esprit qui agit maintenant, pendant ma parole là, mais dans les fils de la rébellion. Et bien, dans le monde qui n'a pas accepté Jésus-Christ, et bien, monde qui n'a pas dans le royaume Jésus-Christ, et bien, c'est autorité sur lui-même qui établit et contrôle. Autorité sur lui, contrôle et le gouverne. Ça veut dire, sa autorité, vous voulez faire, c'est vous qui me fait sous nation. Et sous chaque monde qui dans le royaume Satan, et mais c'est autorité ça qui a dirigé, et mais c'est lui-même qui a gouverné, et mais sa autorité a plus fort, le fait, et mais c'est lui-même qui a fait. Mais auparavant, dans le royaume de Jésus-Christ, Dieu était mis là pour commander et pour diriger. Ok, ça veut dire, bon, autorité ou sous classe chrétien, ça veut dire dans le royaume de Dieu, et bien, il n'y a pas contrôlé. Eh bien, il a gouverné, eh bien, classe par Jésus-Christ, qui c'est le royaume de Dieu. Mais Satan lui-même, Jésus établi par là lui-même,
sur le monde parle yo, ok, Satan lui-même établi par là lui-même et sous et agala mais tout mais Satan fait tout lui-même sous même Jean Dieu fait là et Satan lui-même il fait par là comme ça tout lui-même. L'autre classe d'ange qui nous parle c'est les principautés, ok, gain cause d'ange dans celle-là. Neuf classes d'anges, non, me dit, a gen principauté, mais c'est pas toute principauté yo qui était rebellé contre mon Dieu. Mais ça qui rebellé contre mon Dieu lui-même, yo fait partie royaume de Satan. Mais qui wol principauté ça ou principauté ça lui-même, wol yo yo impliqué directement dans la vie des humains. Ou ça ou même, c'est wol yo même yo impliqué dans la vie des humains, OK? Yo impliqué tout, les des humains selon Ephésiens 2 verset 1 2, yo impliqué tout dans dirigeants internationaux yo selon Daniel 5 verset 29 et yo impliqué dans dirigeants nationaux yo juge 18 verset 8 et yo dit yo dirigé au dans régionaux tout, c'est dans région tout, c'est Daniel 2 verset 15, ça veut dire yon moun dirigeant international yo campé derrière gouvernement yo comprenne gouvernement des présidents ou bien roi yo campé derrière des provinciaux tout moun kap dirige provinciaux nous jeune plus ça plus l'autre bord et bien tendez moun sa yo yo impliqué dans la vie moun sa yo yo même. Est-ce que là nous te wè que dans Daniel 10 Daniel 10, verset 12-13. Daniel 10, verset 12-13. Daniel 10, verset 12-13. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu au mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Les anges ont dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Ce n'est pas chef comme si physique là non, mais c'est principauté qui campait derrière le royaume là. Ok? C'est principauté. Et qui campait et derrière royaume nan lui-même. Eh bien, ça veut dire que et monsieur et démon prince là même, ça veut dire chef là, esprit invisible là qui caché des gouvernements et il était qu'un message mou déjà pendant 21 jours. Monsieur Anzoba, est-ce que prince a plus pouvoir parce que ça mon dieu? Si j'en fais c'est Michael qui vient secourir pour interrogation question pour nous ici. OK, n'a pas avancé. Kounya là, eh bien, c'est Michael, l'un des principaux chefs entre guillemets qui théologien le Jésus-Christ qui devine délivrer ça, et eh bien lui-même il était allé. Eh bien, c'est là, c'est ça que fait nous toujours souvent dit et yon chrétien pas capable président il aime dit qu'il y a qui tire boulette sur moi qu'il y a qui tire roche sur moi qui sorti pour la bidim parce que ça qui passe les autres dit ça les autres souvent prend exemple Israël est-ce que Israël pas de président faut qu'on ait Israël c'est le peuple de Dieu Israël c'est le peuple choisi de Dieu par contre l'autre pays dans le monde là que Dieu choisit qui c'est peuple pas sauf Israël c'est normal si c'est bon Dieu qui choisit Israël c'est normal c'est les mêmes qui pour Israël gouvernement. C'est lui-même qui pour Israël président nous te ouais ça il était bail Saül il bail David il bail Jujo jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne jusqu'à ce que Jésus vienne les fonds déposer Israël là on titan les il a tourné il c'est peuple c'est normal faut que c'est lui-même et mais après on croit dans Daniel 12 on croit dans Daniel 12 et on croit dans Daniel 12 on croit et il dit comme ça que c'est Michaël et lui-même qui c'est Michaël qui chef et Israël
Daniel 12, 1er, en ce temps-là, s'élèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de son peuple, qui c'est Jésus-Christ Escola. Ça veut dire, principauté ça, yo placé de chaque gouvernement. Vous comprenez? Ça veut dire, quel que soit on est qui prend une décision pour dire, ou elle diriger un pays, marque, je la mettre en mettre, qui t'en connaît, une principauté, ça chita de yo. Bon, c'est pas chita de yo lui-même. Bon, c'est pas un bagage ça. Vous comprenez? Bon, c'est pas chita de yo. Bagage ça. Ok, on va avancer. On a. Nous allons voir l'archange dans lui-même. Et cinquième ange déchu, c'est archange. Mais j'en ai dit dernièrement, et théologie, la Bible répète deux archanges, qui c'est Michael et Gabriel. Mais, il n'y a pas répété l'autre archange encore. Il y a sept qui te gagnent, mais c'est deux répétés. Il dit c'est sept qui gagnent, mais c'est deux. Et lui-même, il n'y a pas énuméré selon théologien lui-même. Il dit archange signifie chef des anges. Ça fait, on dit Lucifer, c'est un archange, mais Lucifer n'est pas sorti dans le corps ange qui est archange, mais il est sorti dans le corps ange qui est chérubien lui-même. Mais ça fait, on dit Lucifer, c'est archange parce que c'est lui-même qui est chef ange de Chio. Et bien, archange, c'est le chef des anges. Ok? Dernier ange, nous parlons et dans la classe d'ange qui est de Chio, c'est les anges eux-mêmes. Les anges. Et mais qui was même sans dire un simple et bien un simple qui rébelle contre bon Dieu tout pour moi-même et d'après ma connaissance c'est un simple qui c'est dernier quoi plus petit quoi veut dire c'est quoi qui plus inférieur de la même de Dieu pour moi-même et ça me pense tout et quoi ça passé et mais Satan lui-même gars là qui était rébellé tout. Eh bien, théologie fait comprendre les anges ça été les mondes étaient chassés yo et mais gens simples ça yo yo tombé sous sol là. C'est sous sol là, c'est sous terre yo même. Ils sont tombé sous terre. OK, yo sous terre, yo là en pied bois yo et ils tombé sous terre, yo tombé dans de l'eau tout. Yo là yo dans de l'eau, yo là en pied bois, yo là sous de l'eau et l'ont rager tout, yo là cafout, yo là cimetière. Ça veut dire c'est Zan Sayo. Yo dit c'est Zan Sayo qui c'est loi. Non pas nous, on va dire les Ezili dans ton Frida Tambala et mais c'est même Jean Saint Sayo. Ça c'est non loyo et mais c'est eux même Satan utilisé et puis venir se voir gloire pour lui, ça ou a adoré dans l'église catholique là. On connaît dans Colossiens 2 verset 18 apôtre Paul dit ça. Colossiens 2 verset 18. Colossiens 2, verset 18, il dit, aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix des courses tels qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Ça veut dire, pas qu'un ange, ça lui-même, c'est vous-même qui avez une bonne gloire. Sous terre, où on n'a pas de pied bois, l'abjeté de l'eau, mais c'est Jean ça lui-même qui prend. Gloire ça yo. Deuxième classe démon, nous pas parler d'Eli dans le royaume des ténèbres, et bien c'est les âmes déchues. En dans les âmes déchues, nous gain pour nous les Rephaïm, les Néphélim, les Obérim, monsieur et groupe jodia, il est très long et il libelle tout et n'a pas parti, OK? Yo dit comme ça que les Rephaïm. OK. Yo dit comme ça d'après théologie yo, nego dit comme ça que avant création adamique là et Satan te bon trône sous terre. Vous faire comprendre que création pas nan côté nan vivre là, et mais c'est deuxième création, bon Dieu. C'est toujours sous même terre. Et ben nego faire comprendre que Satan te bon trône sous terre ça, il te bon société qui l'étape dirigé. Dieu était metté Satan comme roi, comme sacrificateur sous terre ça. Qui est un sacrificateur? Un sacrificateur roi li se prend la main l'homme pour te bay mon Dieu. Qui est un roi? Roi gen roi pour gérer bagay terre à lui-même. Eh bien, d'après Nego, Dieu était établi Satan sous terre ça.
c'est lui-même qui t'a dirigé, eh bien, il te comprend dans mes habitations ça où, dans mes mondes ça où, l'hypothèse by mon Dieu. Mais nego fait comprendre que depuis les Satan te fin péché dans ciel là, il te rebelle contre mon Dieu, bien même société ça il t'a dirigé à, et mes société ça c'est fait société ça lui-même, il te fait même Javel et mes société ça t'es rebelle contre mon Dieu. Et puis même les théologiens ça yo et yo ti consacré Dieu lui-même il t'a détruit ça par un tremblement de terre et un tsunami ou après dans les Genèse là Bible a dit surtout dans verset 2 il dit la terre était informe et vide alors que nous connaissons très bien tout ça bon Dieu créé li bon selon 1 Timothée 4 verset 4 il dit tout ça bon Dieu créé li bon et nous connaissons les Deutéronome là les Somme dit les œuvres de Dieu sont parfaites. Mais comment mon Dieu fait créer terre pour qu'il y ait une forme et vide? Mais Esaïe, quand il parle, il dit comme ça que, Esaïe 4, et verset 23, il dit comme ça que la terre a devenu informe et vide. Et mais la terre n'a pas d'informe. Et mais c'est disrespectant. Et ça, Satan a été fait avec toute société de la dirigée. Et bien, mon Dieu, il fondrait. Et société qui lui-même est dirigée. Et bien, il est plein terre avec de l'eau. Yo détruit entièrement les têtes passées, t'es à effondrer, et mes villes yo crasées, yo t'es plein de l'eau, eh bien, moun sa yo t'es mouri. Est-ce que c'est moun qui t'es fait avec l'image de Dieu? Et non pas qu'on est, la Bible pas tellement bail détail les mêmes sous ça, mais yo fait comprendre que moun sa yo, c'est moun qui t'es gain corps avec nom, yo pas gain esprit, moun sont pas qu'avec l'image de Dieu, moun sa yo t'es gain tête bête, eh bien, yo t'es gain corps moun, eh bien, yo dit comme ça, c'est moun sa yo, c'est nom moun sa yo. Qui vient tourner démon. Et ça fait aller plus nous dit comme ça, il y a une différence entre un déchu et démon. Il dit un déchu à lui-même, c'est qui ça lié. C'est ainsi ça qui était rebelle avec Satan. Mais démon, il fait commencer. Et non, moun sa yo, qui était moun la création, pré-Adam, comme ça, tu as déjà, c'est lui-même qui vient tourner et démon lui-même. Donc, il y a un texte biblique. Et texte biblique. Donc, avant d'aller au texte biblique, on a regardé Isaïe 14, verset 20, il dit consacré, tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. Ça veut dire que c'est texte ça qui est théologien. Kembe, il fait comprendre que eh bien, c'est Dieu lui-même qui t'a détruit, création Adamique là. Il dit, prie Adamique là, tu as détruit ton peuple à cause du péché qu'il fait. Les galères mènent les gens dans la désobéissance, tout. Tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Ça veut dire, c'est grâce à l'étape du Géa, senti, Jean Bible a dit là, Jean texte théologique au prend, eh bien, ce sont des mouns, ce sont des races méchants qui ont eu, eh bien, ils viennent mourir, eh bien, ils vous fait comprendre, c'est non moun sa yo qui viennent tourner démon. On l'autre texte, ok, c'est dans Deutéronome 2, verset 10-11, et vous fait comprendre que, côté Deutéronome 2, 2, verset 10-11, je fais comprendre que c'est même esprit Mosaïo que les Israéliens même l'état passé sous la mer sous l'état par le Canaran, et bien c'est même esprit Saïo qui t'a gourmé contre Israël. Les Énimes qui habitaient auparavant, c'était un peuple grand, nombreux et de haute taille comme les Anakim. Ils passaient aussi pour être des Rephaïm. Attendez, oui, ils passaient aussi pour être des Rephaïm, eh bien, c'est esprit. Et moun sa yo, eh bien, qui t'a goumé contre Israël, les Israël, t'a pas le passé pour le rentrer dans le pays Canaan que Dieu t'a pour mettre à lui-même. Ou bien ça tout dans 1 Chronique 20, verset 4. Deuxième sous-groupe qui gagne dans l'âme de Chia, c'est les Éphilim. Je dis, les Éphilim dans eux-mêmes, c'est selon Genèse 6, et verset 4, côté. Que les dieux lui-même t'ai fait de luge l'arrivée. Ça, c'est les Éphilim. Ça veut dire, dit comme ça que, eh bien, dans Genèse 6, verset 4, côté un fils de Dieu qui c'est les anges, t'es ouais que, et petit l'homme, t'es belle, eh bien, t'es prends décision pour venir coucher avec eux. Mais selon le livre Enoch là, Enoch explique que, mais c'est 200 démons, 200 anges qui te prennent décision. Yo te descend sur le mont Hermon. C'est la passage là, c'est la porte là, c'est le livre Enoch là, c'est pas la Sainte Bible.
Mais c'est le livre Enoch, théologie a parlé, comme ça, c'est 200 démons, 200 anges qui te descendent qui viennent faire ça. Mais ça qui passait, mais il dit principauté à monde qui t'a dirigé 200 anges ça, mais c'est Maël. Eh bien, ils prennent une décision, puis ils viennent coucher avec mesdames. On a ça qui passait, ils viennent prendre une forme humaine, et mais ils viennent tourner un garçon, ils couchent avec mesdames. C'est là, Genèse verset 4, la Bible explique ça très clair. Et bien, ils viennent faire petite avec mesdames, ça. Et bien, petite, nous sommes venus faire, petite, ça, ils viennent hybride. Ils demi-humains, ils demi-anges. Et moun sa yo, ce sont des géants, même Jagoulère, d'après sa nègre dit, ils ont 6 doigts dans la main droite, 6 doigts dans la main gauche, 6 orteils dans la pied droite, 6 orteils dans la pied gauche, ça fait 24 doigts. Ça yo, avait dit l'homme naturel, lui-même, n'est que ça au plus gros n'est que l'homme naturel lui-même. Moun sa yo, c'est taille, nous-mêmes, c'est taille, nous devant gros géants sa yo, mais n'est que ça, c'est descendant, c'est petit ange sa yo, fait. Mais, d'après l'Ivé, la nègre dit comme ça que, et gen Michael, gen Raphaël, gen Uriel, et mais ça qui passe, ça n'est pas fait, n'est pas al pot bon Dieu plein, yo ti bon Dieu ou tellement saint, même bagay ça, ou pas capable de supporter, gajan méchanceté à fait, et dans l'époque là, et ça te a te chargé avec méchanceté, n'est pas fait petit ça ou vin des géants, yo tue moun, yo boue sang, yo fait homosexualité, yo tue moun pile bagay mal nèg yo fè, yo di c'est 3 ans ça au cal pour bon Dieu plainte, et ben yo di konsa ke nèg di konsa ke bon Dieu prend décision li même pour détruire ville là, pour détruire et époque nous à li même. Ça qui passé, et ben yo voye 3 ans ça yo, et ben chaque an ça yo te gon mission, et puis yo prend 200 ans ça yo qui te tourné garçon en forme maintenant, et puis yo maré nèg ça yo parce que les déluge a fait, yo vinn tourner dans corps état qui c'est esprit. On a ça au fait, descendre ça où la Bible dit, et Dieu prend, il l'a géo, nan tata, nan séjour des morts. Jude parle de lui, et puis livre Éphésien, livre, et Pierre lui-même, il parle de lui, et mais il ferme nek ça ou là, jusqu'à ce que le jugement passe. Mais ça qui passe pour petit égoté fait, et mais pour petit égoté fait, et mais ça qui passe, il vient mourir, et mais il dit, c'est même nom nek ça yo qui vient tourner des mois encore. Ça c'est long théologien yo, mais c'est pas selon la Bible, la Bible pas dit ça, mais la Bible très clair démon c'est ange de chioé. Comment c'est théologien ou même cap parler cap spéculer, mais au fait qu'on est que et démon ça yo nan moun ça yo et sous terre yo yé y a fonctionné sous terre avec les gens simples, et puis tout yo là nan niage côté ou niage ya c'est là yo même yo yé y a vaciller sous terre aller venir sous terre lui même. Nous même qui sommes chrétiens, nous avons un combat pour nous faire parce que nous avons gommé avec le royaume Satan. Les Zéphilim, on dit. Troisième bagaille, nous parlons de l'âme c'est les obérim. Qui sont les obérim? Obérim, nan li même. Et les obérim, ok? Yo dit, qui est obérim? Yo dit, ce sont des âmes déchues. C'est les gens qui mourent. Eh bien, les gens qui mourent, nous connaissons que. L'homme nan, li gen 3 parties, li gen corps, li gen âme, li gen esprit. Et mais l'homme nan mouri, c'est pas esprit qui mouri, c'est pas nan ni qui mouri, parce que deux parties sa yo, c'est deux parties immatérielles, yo même, yo pa ka mouri yo même. Ok? Yo la éternellement, mais, et nous connaissons yon esprit pa ka mouri, ni nan nan, ni esprit a tous les deux, c'est esprit yo ye. Mais ça, l'homme nan mouri, c'est corps physique qui mouri, kal nan tombeau. Ok? Et bien, l'homme dans le secret, c'est qu'il y a, l'homme mourit, quand l'homme tombe, selon Genèse 3, verset 19. Eh bien, l'esprit mouna monte là-haut dans le ciel, côté Jésus-Christ là, selon 2 Corinthiens 5, verset 8. Comme mouna à l'homme tombe, mais l'esprit lui-même lui monte dans le ciel là lui-même. Ok. Quand il y a que les non-croyants, les mouns qui pas sauvé, qui pas accepté Jésus-Christ là, lui mourit, eh bien, quand l'homme tombe toujours, mais l'homme lui descend dans ses jours des morts. Ok, si je dis moi, il y a plusieurs compartiments, j'en ai dit, en voyant l'Ancien Testament, il y a 3 compartiments, il y a un pour juste, il y a un pour injuste, et il y a un pour moyo, et bien il y a un pour esprit méchant qui fait dans, voilà, c'est 4 compartiments. Quand il y a les Jésus-Christ vient mourir, et bien il prend un homme qui était captif, là, mais il s'y fait, il monte avec un ciel là, c'est le Ephésiens 4, verset 8-9, et c'est l'Ensemble 68, verset 19. Ok, et il monte avec lui-même.
On y a, et on y pour Somme 68 là. M'espérer que ça pas fait défaut. Somme 68, verset 19. Somme 68, verset 19. Somme 68, verset 19. Il dit, tu es monté dans les hauteurs, tu as amené des captifs, tu as pris en don des hommes, les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Ça qui intéresse, c'est, tu es monté dans les hauteurs, tu as amené des captifs. Et mais hauteur, ça, dans le texte là, il représente là-haut dans le ciel. Et captif, il représente tout le monde qui était monde bon Dieu, qui était dans ce jour de mort, et bien Dieu monté, Jésus-Christ lui-même, il est monté avec vous. Ok? Les monde qui pas accepté Jésus-Christ là, il mourit. Quand la lampe tombe, nous descendons en bas. Eh bien, Satan, c'est lui-même qui t'a dirigé ces jours des morts depuis l'Ancien Testament. Parce que là, Isaïe, les Satan, les bons étaient fessés en bas. Eh bien, toi, la Bible dit, toi, tu es tombé dans ces jours des morts. Côté moyo, t'as dit, c'est pas vous-même qui t'as poussé corps à pas vous-même que t'avais nous. On vient ça dans Isaïe 14, je vais rappeler le texte là. On y a, eh bien, c'est Satan qui t'a dirigé en bas. Mais là, Jésus-Christ vient, il prend la main, tu vois. Moun palio, il monte avec yo. On y a, Jésus-Christ pas grand rien en bas. Style en bas, il là, sous contrôle, Lucifer, c'est Satan qui a dirigé. Mais ça qui arrive, si gon petit li, yo mène en bas, qui vivant, yo mène en bas, il pas chercher, il pas gen débat sous ça. Ok, nous comptons ça, mais il n'y a pas de rapport, il va descendre en bas sous contrôle, laissez faire. Mais laissez faire, prendre un monde ça, il fait tourner un démon d'après théologien. Et nous ne pouvons pas dire mentir, nous avons un baptiste de Nazon, il a chassé des démons. Et il y a des noms qui comptent sur le monde, et les noms dit, démon dit, oui, c'est maman le moyen, c'est grand le moyen, il veut me tuer, alors ce grand nom mourit déjà. Ça veut dire, mais même nom ça, qui se contrôle Satan, qui Satan a dirigé, eh bien, il fait fonctionner comme des démons sous le royaume Satan. Ça fait parce que c'est Satan et qui a contrôlé. Pourquoi dans Deutéronome 18, verset 10-12. Deutéronome 18. Deutéronome 18. Deutéronome 18, verset 10-12. Qui ça l'Éternel dit? 10, il dit. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Dieu lui-même dit pas d'accord pour invoquer esprit moyo. Pour qui ça? Parce que Yosu, puissance, Lucifer. On a regardé Lévitique 20, verset 27. Lévitique 20, verset 27. Il dit comme ça, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit de mort, ça veut dire l'esprit de mort. Ça veut dire que non mounio consoumounio tout. Voilà, si yon garçon ou bien yon fille gen l'esprit yon mort sous lui ou esprit de divination. Donc moi, ça veut dire esprit yon mort, c'est yon moun qui mourit. Yon esprit pas ka mourir. Esprit, yon mort. Parce que là, l'esprit de mort, ça veut dire yon moun ki mouri, et mais c'est nan moun sa ki sou moun nan li même. Et ça la Bible dit, ils seront punis de mort. Ça dit, depuis nan nation, moun nan nation, gen esprit de mort, kare li mort, et bien, y a puni yo. Et bien, c'est là, c'est sous texte sa yo, ki théologien yo, campé, et bien, yo dit comme ça, les obérim yo, et bien, c'est moun. Qui mourit, qui Satan fait retourner démon. Ok, troisième groupe pour nous finir, qui est dans le royaume Satan, c'est les hommes déchus. Les hommes déchus, à lui-même, ça n'est pas démon. Il y a deux classes de démons, les âmes déchues, les anges déchus. Mais troisième groupe qui est la classe Satan, qui est le royaume Satan, c'est les hommes déchus. Mais en deux classes, il y a deux membres. Gayon monde qui actif dans le royaume Satan, gayon monde qui passif dans le royaume Satan. Amen. Monde qui actif dans le royaume Satan, yo rele yo les médiums sataniques. Ça veut dire c'est ou grand yo, c'est mambo yo. Moun sa yo y a travail pour royaume Satan.
Eh bien, l'oral kaye moun sa yo, eh bien, moun sa yo rele yon esprit, eh bien, l'esprit a possédé moun sa yo, eh bien, moun kou esprit a monté sou yo, et puis tout, li di salve jean. Explique. Mais, te gounen ki tap bay, yon blague après 12 janvier, ou gan, ap, le ou gan kon apre le mò, rele esprit a. Te akon se kwe tout piti, esprit a vini. Mais qu'on a joué 12 janvier, l'aide 12 janvier a passé, mais c'est après l'esprit. Mais l'esprit a vini, et l'esprit a vini, tu as toujours fonti secoué. Assurément, l'esprit s'en sorti en bas, tu as. Probablement. Si tu as secoué, il a sauté dans l'air. On a là, monsieur fait comprendre, et je vais vous expliquer que, j'en ai assez secoué 12 janvier, là, monsieur dit, monsieur pété couru, monsieur dit non, ça n'est ça pas diable là. Parce que j'ai été secoué 12 janvier là, j'ai dit non, ça, c'est pas diable là. Depuis ça, c'est beau tremblement qui est passé. J'avais dit, il a appris les moyens, il a appris les esprits, et bien, il est venu, et bien, c'est Ougan, et bien, c'est Mambo, c'est Devin, c'est Magicien, c'est Sorcier, Sorcière, et bien, Mounsayo, c'est Mounsayo qui est actif dans le royaume Satan. Mounsayo, quand il quitte Koyola, il y a la monde invisible, il y a la réunion dans le royaume Satan, dans le monde invisible, ça c'est mon acte, ça c'est mon actif yo. Et bien, mon passif yo, et bien, c'est les croyants yo. C'est le Ephésiens 2, verset 1. Moun sa yo qui pas converti à, moun kap la, qui la vérité, c'est son des morts vivants. Vous êtes mort par vos offenses, avait dit moun sa yo, c'est mort vivant qui yoye. Et bien, moun sa yo met là, yo fait partie du royaume Satan lui-même, mais yo pas mouri, mais yo mouri spirituellement. Et bien, depuis que vous acceptez Jésus-Christ, vous avez possibilité de sortir dans l'âme de Chihuahua. Et bien, pour venir dans le royaume de Jésus-Christ là. Qui lui-même, et monsieur, étude là, tu es en pile. Mais connaissance, tu es belle. De pouvoir parler du royaume de Tine, du royaume de Satan. Ou pas capable de parler de lui-même. Et j'espère que, et nous avons une pile connaissance là-dedans. Et il y a des gens qui ont abusé tant de autres. Il y a des gens qui ont beaucoup tant de autres, qui font tant de autres. Et ou même tout, si vous avez des questions, suggestions, tout capable de pouter, parce que il y a un pile bagage qui parle, et ou même qui besoin plus d'explications, et c'est poser, pas qu'un mieux dans la tête, et c'est poser, et c'est débarrasser conscience, ou j'en m'en dire, j'en m'en dire, et puis tout n'a fait plus étalage, puis n'a parlé. Si tes invités par où, frère par où, docteur par où, ou de Marie, Kaïdor, bonsoir tout le monde.